David Hallyday et sa femme Alexandra Pastor sont apparus très complices au gala de charité organisé par l'ancien entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou, le dimanche 18 juin 2023 à Biot. Sylvie Tellier et Maëva Cook, toutes deux divines, étaient également de la partie. Au diable les soucis. Pendant un temps, la famille Hallyday a surtout fait la une pour de sombres histoires. Ce n'est un secret pour personne, les liens entre Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet, aînée de la fratrie, n'étaient pas au beau fixe depuis le décès de Johnny en 2017. En cause, notamment, des différends liés à l'héritage, qui avaient d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Heureusement, en fin d'année 2022, les tensions se sont apaisées. Laetitia elle-même a confirmé la nouvelle en se confiant sur ses nouvelles relations avec David et Laura. David Hallyday dévoile un nouveau single et se confie sur sa sœur Laura Smet en avril 2023. David Hallyday a fait son grand retour médiatique. Après la sortie de David Hallyday, un documentaire qui lui est entièrement consacré sur la plateforme MyCanal, le chanteur a dévoilé le single Le plus heureux des hommes, extrait de son 15e et prochain album. L'occasion de se rappeler que l'artiste, aujourd'hui âgé de 56 ans, n'a pas toujours souhaité faire de la chanson. Il souhaitait en effet devenir compositeur pour le cinéma et a fini par se laisser convaincre de prendre des cours de chant grâce à son beau-père Tony Scotti. C'est d'ailleurs avec surprise que son célèbre père Johnny a réagi à l'écoute de son tout premier album. Peu de temps auparavant, il confiait ne pas avoir grandi avec sa demi-sœur Laura Smet, ce que cette dernière a confirmé dans l'émission La vie secrète des chansons. David Hallyday complice avec sa femme Alexandra Pastor au gala de Patrick Mouratoglou place à un peu de détente, et une bonne action, pour celui qui est devenu grand-père pour la première fois en 2022. David Hallyday est ainsi apparu heureux et surtout amoureux en compagnie de sa femme Alexandra Pastor, ancienne mannequin et styliste. À la fois chic et décontracté, le couple s'est montré très souriant à Biot ce dimanche 18 avril 2023 au 9e gala de charité de la Fondation Chancide de la Mouratoglou Academy, monté par l'ancien entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou, qui a complété de ses analyses les matchs du dernier tournoi de Roland-Garros. Elle aussi lumineuse, Sylvie Tellier et Maëva Cook étaient également de la partie. À leur côté, Mike Tyson était lui aussi en pleine forme. Pluie de stars, donc, pour la bonne cause.